Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyans Reborn. Nous sommes franchement très heureux de vous revoir ce matin. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse de ce que vous regardez cette vidéo, ou encore la majorité de nos vidéos. C'est un plaisir pour nous, c'est une grande joie pour nous de savoir que vous nous suivez et que vous cherchez à connaître la vérité sur l'existence de Dieu ou encore ce qui se passe dans votre vie. Ah! Hey! Aujourd'hui, voici un truc vraiment bizarre que je vais, bon, on peut dire constater. En tout cas, il y a vu ça. Je vais vous le dire. Il faut que quelqu'un vous en parle quand même. Nous allons faire un constat. Peut-être que vous aussi, vous avez fait ce même constat-là, mais ça dit bon. Peut-être que vous n'avez pas pensé trop. Vous n'avez pas trop tardé à ça. Vous n'avez pas trop gardé l'idée de se passer. Je vais vous poser une question, mes frères et sœurs. Dites-moi. Dans un stade-là, quand deux équipes jouent au football, à qui revient la gloire? À qui? À qui revient vraiment la gloire? Dites-moi, à qui revient la gloire? Quelqu'un va dire, c'est au meilleur, au vainqueur. Ok. D'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, quand on organise une compétition, où plusieurs personnes doivent chanter là. Qui va gagner à la fin? Quelqu'un va dire encore? Mais c'est le meilleur. Ok. Ok. Nous allons comprendre aujourd'hui là. Qui est derrière, tapis dans l'ombre, qui reçoit les récompenses à la place même de ceux même qui sont censés les recevoir. Nous allons vous le dire aujourd'hui. Physiquement là, nous allons tous voir, hein, et nous pouvons tous dire que ceux qui vont recevoir ces récompenses, ce sont tout simplement ceux qui vont gagner. Effectivement, ce sont eux qui vont gagner. Mais derrière là, il y a deux autres personnes qui gagnent. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. En fait, soit c'est Dieu, soit c'est Satan. Est-ce que vous comprenez? Voici l'autre chose qui est cachée derrière que beaucoup de personnes même ne font pas attention. Je vais vous le dire pour que peut-être jusqu'à là on ne se comprend pas trop bien. Ici on va se comprendre. Voici ce que j'ai vu. Il y avait une compétition en 2015. Et il y a une artiste célèbre. Je ne vais pas dire les noms ici, hein, s'il vous plaît. Mais vous allez savoir. Il y avait une compétition en 2015. Ça fait le buzz. Et dans cette compétition-là, il y a une fille qui chantait vraiment trop bien. Je dis trop bien parce que non seulement elle a gagné et puis elle avait 17 ans. Là, vous allez commencer à comprendre. Non seulement elle a gagné, mais en ce moment-là, elle avait 17 ans. Et elle a gagné. Quand vous l'entendez chanter là, non, mes frères et sœurs, vous allez penser que c'est Dieu lui-même qui a fait descendre un ange qui est en train de chanter. Mais la musique qu'ils utilisent pour chanter en général, là, ce sont quelle musique? Ce sont la musique qui ne glorifie pas Dieu. On ne parle même pas de Dieu de ces chansons. C'est là même tout commence. C'est-à-dire à ces compétitions-là, les gens ne chantent pas en glorifiant Dieu. Parfois même quand vous regardez sur dans le décor même de là où ils sont, c'est-à-dire les compétitions, le décor là, vous voyez beaucoup de symboles sataniques comme ça, tels que un œil. C'est-à-dire, beaucoup de personnes ne remarquent pas ça souvent. C'est-à-dire, ils sont en train de chanter, hein, mais tu vas voir qu'il y a des représentations du diable qui sont là. Les un œil par-ci, les signes sataniques par-là. Mais ça n'interpelle pas les gens. Les gens se disent que nous sommes là pour rechercher des vrais talents. Donc, on laisse faire. Et tout le monde suit la chose, tout le monde suit. Effectivement, nous tous, on suivait la chose. Nous tous, on suivait le cours du film. Mais je suis en train de dire qu'il y a quelque chose qui m'a vraiment étonné.
C'est-à-dire, cet événement-là s'est passé en 2015 et cette fille-là, elle a remporté cette compétition parce qu'elle avait la plus belle voix, elle avait tout pour gagner et elle a gagné. Maintenant, en 2018, c'est-à-dire cette année, ça fait combien d'années? Comptons ensemble. 5, 6, 7, 8 et 9. 2018, ça fait 3 ans plus tard, hein? C'est ça non? 3 ans plus tard. Je me suis dit, bon, elle a chanté, elle est devenue célèbre, elle a remporté le prix. Maintenant, qui est-elle devenue? Qui est-elle devenue, mes frères et sœurs? Qui est-elle devenue? Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Et vous savez que Dieu est bon, hein? Dieu est vivant. Quand j'ai fait la recherche, je suis tombé sur sa page. Je n'ai rien dit de cela. Mais je suis tombé sur sa page. Qu'est-ce qu'elle faisait sur sa page là? Elle continuait toujours à faire quoi? À chanter. C'est ce que tu fais sur la terre là. Tu continueras à faire même après ta mort. Donc choisis bien ton chemin. Cette femme là, cette fille là, elle continuait à chanter. Si elle avait 17 ans, 17 ans plus 3 ans, ça fait combien d'années maintenant? 20. Là, elle a 20 ans, elle continue à chanter. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que dans la chanson qu'elle chantait là, elle chantait pour qui? Pour plaire au monde entier. Vous connaissez de quoi il s'agit? Et dans ces chansons-là, elle commençait maintenant, elle, à apprendre à faire quoi? Introduire dans ses clips les signes sataniques. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle? Le un œil par-ci, le un œil par-là, les symboles bizarres, les signes avec les mains. Elle apprenait à faire ça. Pourquoi elle dit qu'elle apprenait à faire ça? Parce qu'on connaît comment ça se passe. Ça commence par le vêtement déjà. Par le vêtement là, si elle ne s'habillait pas de façon sexy, là, vous allez la voir, elle va commencer à s'habiller de façon sexy. Vous allez voir qu'elle va chercher maintenant à faire quoi? Séduire son public. Parce quoi? Son corps. Et voilà ce qui est dangereux, qui est mauvais. Elle a commencé à faire ça déjà et elle a commencé à introduire le deuxième niveau, c'est-à-dire fermer un œil. C'est un processus. C'est un processus. C'est à ce moment-là que nous avons compris que Satan est derrière tout ça. Et sans doute cette fille-là, elle n'est pas loin d'avoir signé également un pacte avec le diable. Pourquoi on dit ça? Parce que la plupart même des artistes célèbres, eux-mêmes, ils viennent nous le dire ouvertement qu'ils ont signé des pactes avec le diable. Parce que c'est le seul moyen pour réussir dans ce domaine. Hey! Ça veut dire que la compétition qui était organisée là, c'était un pont. C'est-à-dire c'était un moyen pour le diable de recruter des gens qui allaient le servir, qui allaient l'adorer. Donc on dit on cherche les gens qui sont les plus forts, qui ont le talent là. C'est pourquoi en fait, c'est pour le conduire tout droit vers ça, une adoration au diable. C'est-à-dire le diable recrute qui? Les meilleurs pour pouvoir l'aider dans sa mission de destruction du monde. Ah, mes frères et sœurs, est-ce que un signe, est-ce que voir quelqu'un nu dans son clip, c'est mauvais? Est-ce que c'est une bonne chose à faire? Ou est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Tout ça là, c'est intéressant. Quelqu'un peut dire c'est bon, quelqu'un peut dire c'est mauvais. Mais ce que Dieu a dit là, c'est ça qui nous intéresse. Parce que même le diable marche sur ce que Dieu a dit pour pouvoir condamner les gens. Aujourd'hui, là, on assiste à la perversion sociale. Et ce sont les gens qui sont censés prêcher la bonne nouvelle. Là. Ce sont eux-mêmes qui nous montrent aujourd'hui de mauvais comportements à suivre. Hein? Voici des choses graves comme ça qui sont arrivées. C'est en ce moment-là que j'ai compris là, que finalement, là, quand on va pour un stade pour jouer au football, ou on va à un concert pour chanter là, il y a une seule personne qui gagne le prix. Il y a une seule personne qui gagne le prix. Soit c'est Dieu, soit c'est Satan. Je vous le dis, hein. Je vous le dis, sérieusement. Vous-même là, ouvrez les yeux, regardez. Tu vas le voir en train de chanter. En train de faire des trucs. Tu as dit, mais ah, cette artiste, elle chante bien. Mais déjà, même là, il y a des signes qui ne trompent jamais. Quand
Il est en train de chanter, elle est en train de chanter là. La chanson qu'elle chante là, elle ne glorifie pas Dieu. Vous voyez la mission de Dieu, du diable. Le diable a permet, organise même des shows comme ça pour pouvoir trouver qui est le meilleur. Et c'est le meilleur là qu'ils vont utiliser pour pouvoir faire quoi? Séduire les nations par sa voix ou par son style ou encore par sa manière de faire ou encore par son talent. Ça veut dire que nous, les vrais chrétiens, nous devons aussi utiliser ce qu'on a de plus bon là pour les mettre au service de qui? De Dieu. Il y a des choses vraiment trop graves qui se passent dans ce monde et il faut que quelqu'un vous en parle. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un constat que j'ai fait. Hein? C'est un constat sérieux et grave même que j'ai fait. Et cette fille aujourd'hui là, elle chante. Elle a fait sortir même un de ses clips aujourd'hui. C'est pas. Comme vous voyez de la manière elle est habillée, on a l'impression qu'elle est déjà nue. Est-ce que c'est ce que vous voulez pour vos enfants? Est-ce que vous souhaitez? Franchement, ce ne sont pas des bons comportements. C'est ça même là qui conduit à l'enfer. Et le démon de la jeunesse travaille sérieusement avec de telles personnes. Il travaille dangereusement même avec de telles personnes. Parce que ces personnes là, comme elles chantent bien, elles ont un talent, comme elles ont tout pour apprécier là, il va profiter de ça pour pouvoir faire quoi? C'est entrer dans la vie des gens pour tout simplement leur compliquer la vie. Ah! Ça, ce n'est qu'une petite partie de ce qui arrive. Ce n'est qu'une petite partie. Hein. Ça, c'est juste un constat. Hein. Ça, c'est un constat que j'ai fait. Analysez un peu, analysez vous-même là, analysez un peu les histoires. Analysez ce que vous avez vu autour de vous. Et vous, certainement, quelqu'un va dire, il y a des éléments qui sont à l'intérieur qui ne sont pas faux. Si vous avez également senti ça ou vu un truc pareil ou vous comprenez, commencez à comprendre de tels éléments, laissez un like pour nous faire savoir combien de fois vous aussi, vous commencez à voir qu'il y a quelque chose de vraiment grave qui se passe derrière tout ça. Les compétitions qui sont organisées, franchement, c'est trop de qui gagne, sur qui gagne la compétition, qui gagne vraiment la compétition. Les éléments sont là pour nous aider à comprendre la vidéo qui va venir. Préparez-vous pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous tout simplement, activez la cloche et nous vous disons, let's go!